500 actes antisémites recensés en France depuis les attaques du Hamas en Israël le 7 octobre, soit trois fois plus que l'année 2022. On le rappelle, 436 actes avaient été recensés l'an dernier. Dans le détail, aujourd'hui, la nature des actes anti-juifs se répartit ainsi. 50% de ceux-ci sont des tags, des affiches, des banderoles, 22% des menaces, des insultes, 10% des faits d'apologie, du terrorisme notamment. Joël Mergui, bonjour. Bonjour, Ilana, et merci de m'accueillir ce matin. Merci à vous d'être parmi nous. Vous êtes président du Consistoire de, de Paris. Alors, on va bien sûr aborder l'actualité en France, cet antisémitisme qui explose, et pas qu'en France, hein, d'ailleurs. Mais d'abord, un mot d'Israël. 42e jour de guerre ce vendredi contre le Hamas, toujours 240 otages dans la bande de Gaza. Vous étiez tout récemment, Joël, en, en Israël. Vous avez vu l'indicible, vous avez visité ces kibbouts meurtris le 7 octobre. Ce sont des images, j'imagine, qui restent gravées en vous. C'était important. D'y être Oui, on, on y était avec toute une délégation du, du CRIF et avec un certain nombre de présidents d'institutions. Alors, c'était il y a un petit moment, c'était tout de suite après, c'était une semaine, une semaine après ou dix jours après. Et, et effectivement, tout était encore récent. Les, les, et c'est des, des images qu'on n'aurait jamais imaginé voir. Je crois qu'elles sont gravées dans nos mémoires, dans nos cœurs, dans nos consciences et nous donnent d'abord le, le devoir de témoigner de ce que nous avons vu notamment au, au, Kibourg, au Kibbutz Kfaraza, qu'on a vu dévasté, et, et, et sur la, la, la base militaire dans laquelle étaient dénombrés des corps qui, qui, qui étaient en attente d'être identifiés. Donc ce sont des, des images, bien sûr, insoutenables, des, des images incroyables de l'indicible, et malheureusement, malheureusement, Israël est obligé de montrer un film de tout Alors ce qui s'est passé oui. pour, pouvoir faire, pour, que le, pour que les gens y croient, pour Alors. que les gens le, le voient pour y croire, c'est quand même incroyable en 2023 qu'on ne fasse pas suffisamment confiance à une armée, à, une, à un État démocratique, mais c'est important de, de le voir et de le faire montrer au monde entier pour qu'on se rende compte de, de, de ce qu'ont qu vécu euh, le Israël et de la légitimité indispensable, absolue euh, d'Israël de détruire le monstre du Hamas. Effectivement, les élus à la FI notamment, hein, qui ont multiplié les phrases assassines contre Israël, remettant euh, en cause la nature euh, des pogroms du 7 octobre et les massacres eux-mêmes. Alors aujourd'hui, le Hamas bénéficie toujours d'une certaine complaisance en Europe, en France. On apprenait que le grand rabbin Moshe Levin avait lui démissionné cette semaine du groupe d'études de la Grande Mosquée de Paris, après que des responsables musulmans aient refusé de qualifier le groupe du Hamas de groupe terroriste. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude des responsables musulmans aujourd'hui, ou encore le fait qu'ils n'aient pas souhaité venir à la manifestation contre l'antisémitisme Je me suis exprimé là-dessus au moment de la, de, de la manifestation. C'est vrai que c'est surprenant et c'est décevant euh, que, euh, que, les, que les musulmans soient solidaires de l'avenir du peuple palestinien, euh, c'est leur responsabilité, c'est leur droit, c'est peut-être même leur devoir. Mais que les musulmans n'est pas qualifié de façon officielle, je ne parle pas de certains imams par-ci par-là, de certains intellectuels par-ci par-là, je parle des voix officielles des, mus, des musulmans, la Grande Mosquée de Paris et le CFCM, n'aient pas qualifié le Hamas de mouvement terroriste, c'est effectivement d'abord décevant. Et deuxièmement, c'est grave, c'est grave de pouvoir laisser penser à la rue musulmane, comme on peut dire, ou à la jeunesse musulmane, aux familles musulmanes qui vivent en France, de leur laisser penser que ce qui a été fait par le Hamas pourrait être de la résistance. C'est à la fois une insulte pour les, les résistants, les vrais résistants, dans, quand, mmh. quand on parle de la résistance pour le peuple juif et pour, pour l'Europe. On sait ce que, ça, ce que ça a voulu dire. Et puis, deuxièmement, c'est un, un signal catastrophique qui est quand même il faut le dire, soutenu par un parti politique qui est la France Insoumise, c'est-à-dire qu'il y a effectivement comme une forme de duo où on dit à peu près la même chose, où la France Insoumise n'a pas voulu qualifier le Hamas non plus de mouvement terroriste, ce qui donne aux musulmans une possibilité de s'appuyer sur des une partis politiques malheureusement démocratiquement élus, et donc on, on, on est devant une forme de complaisance, mais qui est catastrophique quand on s'étonne des, des, de, de la montée d'actes antisémites. On, on, on se dit que finalement... Il y a un certain nombre de personnes en France et en Europe qui, ne voyant pas le mouvement Hamas qualifié de terroriste, se croient légitimes à s'attaquer à des juifs. Mais alors, comment maintenir le dialogue interreligieux entre responsables communautaires juifs, responsables communautaires musulmans Est-ce que démissionner de certains groupes par-ci par-là Est-ce que c'est la solution Qu'est-ce qu'il faut faire Je pense d'abord, il, il y a des, des actes marquants. On est, on est forcé, dans ce que nous représentons, nous représentons la communauté juive, de marquer notre désaveu de la façon dont est traité euh, le, le Israël par et Israël et surtout surtout l'assassinat euh, sauvage euh, que, sur lequel on ne va pas revenir de nos frères et sœurs en Israël euh, par un mouvement terroriste ça c'est c'est euh, obligatoire. Deuxièmement il y a un certain nombre de musulmans avec lesquels on peut continuer à avoir un dialogue et je ne désespère pas j'ai lancé à plusieurs reprises cette semaine un appel aux musulmans pour qu'ils qu enfin, qu'ils condamnent le Hamas parce qu'il faut qu'on prenne conscience qu au fur et à mesure qu'Israël est en train d'avancer dans Gaza, on est en train de prendre conscience que effectivement les populations palestiniennes, on en voit les images, sont prises aussi en otage du Hamas. Donc c'était c'est aussi la responsabilité des musulmans dans le monde de condamner le Hamas sur ce qu'ils font sur leurs frères palestiniens, si ce n'est pas sur les sur les Juifs et Israéliens, mais au moins sur mmh. leurs frères palestiniens. On a vu des on a vu des exécutions de Palestiniens qui voulaient rejoindre Rafa. on a vu euh, des enfants palestiniens euh, dire qu'ils apprenaient à l'école à vouloir euh, s'attaquer à des Juifs quand il serait grand. Enfin, on a une éducation à la haine dans les dans les dans le monde euh, de, de Gaza euh, sur lequel c'est difficile de différencier dans l'éducation si c'est le Hamas, si c'est des, des civils palestiniens, des mmh. enfants palestiniens. Il y a une éducation à la haine qui crée un climat sur place, mais qui crée aussi un climat par l'importation, par les réseaux sociaux, qui crée un climat aussi dans les différents pays d'Europe et des, des États-Unis également. Alors un climat d'antisémitisme en France, on en parle aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une certaine inquiétude au sein de la communauté. Certains retirent leur mezouza des portes, certains retirent leur nom des interphones de leur appartement. Aujourd'hui, des retours que vous avez, que vous disent les fidèles et quel message vous souhaitez leur adresser ce matin Alors j'entends cette inquiétude, elle a été tellement relayée dans... Dans, dans la presse et dans la presse nationale, euh, elle a été relayée par le président de la République lui-même, qui a dit la France, euh, une France où les Juifs ont peur, n'est pas une France. Alors, je suis devant un problème. C'est que si une France où les Juifs ont peur n'est pas la France, ben là, il y a des Juifs qui ont peur. Donc, est-ce que ce n'est plus la France Est-ce que pour que ça reste la France, il faudrait qu'on dise aux Juifs de dire qu'ils n'ont plus peur, comme ça, ça reste la France Ou est-ce qu'on a une obligation simplement de résultat Des moyens sont mis en œuvre par l'État pour obtenir. Euh, Qu'il n'y ait plus d'antisémitisme. Ils sont mis en œuvre, on a des protections, on a une vigilance, on a des réactions régulières. Mais je pense qu'on est dans un moment où on a une obligation de résultat. L'obligation de résultat, ça veut dire que les moyens qui sont mis en œuvre doivent faire que la baisse des actes antisémites doit commencer à se voir. Ça, c'est un premier point. Le second point, j'ai envie de dire aux Juifs d'arrêter de dire qu'ils ont peur. Alors, je crois que c'est ma responsabilité depuis que je suis président du Consistoire, et depuis tant d'années. On a vécu d'autres, d'autres, problématiques dans le vie, jamais peut-être dans ces dernières années mmh. aussi grave que ce que nous vivons euh, aujourd'hui, euh, mais dans notre histoire, on a eu des, des défis euh, catastrophiques, on a eu des moments très difficiles et je voudrais qu'on arrête de dire qu'on a peur. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas prendre des précautions. Ça, chacun doit juger en fonction du quartier dans lequel il habite, de l'immeuble dans lequel il habite, de, de l'environnement dans lequel il est, comment il doit prendre des précautions. Mais les Juifs quand même, doivent garder la tête haute. On doit être fier des valeurs que nous portons. On doit être fier de ce que fait Israël aujourd'hui, parce que Israël, c'est, c'est une des guerres les plus importantes qu'Israël est en train de mener, parce qu'il faut qu'on redonne la paix à tout Israël. Et il faut, il faut repenser à nos familles qui mmh. vivent en Israël. Quand il y a la, la, la sirène de la roquette, quand l'alarme, l'alarme vient pour une roquette, ils sont tous dans les abris. Mais imaginons qu'il y a un moment où ces roquettes tombent vraiment. Le nombre de civils qui pourraient mourir en Israël. Donc aujourd'hui, il faut complètement remettre la sécurité d'Israël et la sécurité d'Israël, c'est la sécurité des Juifs dans le monde. Donc, je j'engage notre communauté à rester vigilante, mais à sortir de notre lexique la peur. Hein, nous, nous devons re, redire notre fierté d'être juifs, notre fierté de continuer. Et je le vois en, en tournant dans les synagogues de et dans les synagogues, dans les, les manifestations de la communauté. Le, tout le monde revient, tout le monde a cette identité de revenir. Et il y a même beaucoup de Juifs qui ont envie d'aller vivre en Israël. Malgré, malgré la ouais. guerre, c'est dire que notre identité, elle est plus forte que notre inquiétude. Effectivement, une montée de l'alia. Alors, on va revenir, on va revenir tout à l'heure peut-être sur le travail autour des communautés. Mais puisqu'on parle de l'antisémitisme, il y a ces déclarations qui ont fait polémique. Celle d'Emmanuel Macron en visite d'État en Suisse mercredi. Le président de la République a été interrogé lors d'une conférence de presse sur son absence, très commentée à la marche contre l'antisémitisme dimanche dernier. Et voilà comment il l'a justifié. Protéger les Français de confession juive, ce n'est pas mettre au pilori les Français de confession musulmane. Qu'est-ce que vous pensez de ces Propos. Alors, il y a deux choses. Sur sa présence à la manifestation, on, on l'a commenté pendant oui. toute la semaine. Je ne pas reprendre le peu de temps que nous avons dans une émission pour la commenter. J'ai déjà dit, oui. le jour même de la manifestation, avant la manifestation, que, en tant que les juifs que je rencontre à travers les synagogues avaient envie qu'Emmanuel Macron soit présent à la manifestation pour donner effectivement cette, cette impulsion fondamentale et l'importance qu'on accorde à la lutte contre l'antisémitisme. Maintenant, on ne va pas opposer les mémoires. On va pas opposer les, les, les peines. Aujourd'hui, les déclarations de l'imam de la mosquée de, 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 de Paris, euh, des déclarations scandaleuses qu'il a pu faire, ont mis en lumière, ont, ont amené euh, Gérald Darmanin à donner les chiffres. 1500 actes anti-juifs, 130 actes anti-musulmans, avec une communauté qui est plus de 20 fois plus importante que notre communauté. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de problématique avec les musulmans mmh. en France. Donc je, je n'arrive pas à comprendre, euh, venir à cette manifestation... Ce n'était pas être contre les musulmans. Venir à cette manifestation, c'est soutenir une partie de la, de la nation française, c'est-à-dire les juifs, qui souffrent d'antisémitisme, qui souffrent de la, du, du pogrom le plus important qui a été de nos frères et sœurs en Israël. Et ce n'est pas une attaque contre les musulmans. Par contre, que les musulmans ne se manifestent pas dans ce moment-là, c'est véritablement mmh. problématique. Et je l'ai tr très souvent, souvent parlé de l'amalgame. Les juifs ont... La, la fierté de pouvoir dire qu'ils n'ont pas fait l'amalgame il n'y a pas eu d'attaque de mosquée par des juifs il n'y a pas eu les musulmans n'ont pas eu besoin d'être protégés depuis depuis le, le 7 octobre ça veut dire ça veut dire que finalement les juifs ne se sont, savent que le combat c'est contre le Hamas et pas contre les musulmans donc il y a, il n'y avait pas de raison de d'opposer euh, d'opposer les musulmans et les juifs sur cela tout le monde doit être réuni pour combattre le terrorisme et pour combattre le Hamas. Alors pour terminer, pour conclure, Joël Mergui, je crois que c'était important pour vous aussi de revenir sur le travail entrepris autour des, des communautés juives. Quels sont les projets peut-être en cours du Consistoire de Paris le, le Consistoire de Paris était dans une, dans une période de restructuration. Nous étions avec des grosses difficultés qui étaient secondaires au Covid. Ça n'a pas empêché toutes nos communautés, je voudrais leur rendre hommage, toutes nos communautés de continuer à soutenir Israël par les différentes actions qui ont été menées, que ce soit dans nos grandes synagogues, dans les plus petites communautés, je crois que c'est fondamental. Et puis, on doit continuer à penser à faire vivre nos communautés. Donc, euh, il faut continuer à soutenir Israël, c'est fondamental. Mais il faut aussi continuer à soutenir l'ensemble de notre réseau euh, français, parce que chacune des synagogues, c'est un point de soutien à Israël. Et je voudrais lancer à la fois un appel pour que, j'ai dit que les Juifs ne doivent pas avoir peur, euh, on, pas, on, on a des, des, des famille sur le front. On a de la famille en Israël, on a des cousins, on a nos, nos, notre peuple qui est, est aujourd'hui en, en train de se battre pour la survie. Notre responsabilité, c'est au moins dans nos, nos possibilités, c'est d'être présent dans nos synagogues, dans nos structures pour continuer au moins à prier et, et au moins à soutenir. Et donc c'est notre rôle de maintenir des structures vivantes. Et j'ai pu hier à Chasselouba, la, la semaine dernière à La Victoire, en tournant la, 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 la semaine d'avant à, à Créteil, voir combien la vitalité des communautés continue. Je voudrais encourager nos présidents, nos rabbins, nos, nos administrateurs de communauté à continuer à faire vivre nos synagogues, parce c'est là qu'on se retrouve et on a de plus en plus besoin de nous retrouver dans ces moments difficiles pour pouvoir continuer à la fois à prier pour Israël et à la fois à défendre notre identité. On veut nous faire enlever la, la kippa sur la tête, la mezouza, la façon de prier nos enfants à l'école juive. Ben nous ne renoncerons à rien et nous continuerons à animer notre réseau communautaire pour qu'il continue à être au service de l'ensemble des Juifs. De, un, un petit peu partout. Alors nous, on continue à animer notre réseau et chacun des juifs, je m'adresse avant Shabbat à ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller à la synagogue, ceux qui sont chez eux. Ça suffit de regarder la télé, ça suffit de regarder les mauvaises nouvelles, ça suffit de regarder tout cela. Peut-être d'être présent avec ses frères et ses soeurs à la synagogue, c'est aussi un moyen de solidarité. Il y a la solidarité dans la rue quand il y a une manifestation, mais la solidarité à l'intérieur de nos structures pour montrer qu'on est un peuple, qu'on est unis et qu'on continue à prier pour, notre, pour nos, nos frères et sœurs qui, eux, risquent leur vie en Israël. Merci beaucoup, Joël Mergui, président du Consistoire de Paris. L'occasion de rappeler les horaires de Shabbat, hein, justement, Joël. Entrez euh, ce soir à Paris, 16h50, euh, Shabbat qui tombe de plus en plus tôt, puisque la nuit tombe tôt, sortie demain 17h59. On lira la paracha Toldot notamment. Merci beaucoup, Joël Merci Mergui, à et à très bientôt. Shabbat shalom.